Bonne nouvelle pour la population de l'Ouest ivoirien. 7 000 personnes verront dans quelques jours leurs conditions de vie s'améliorer. Elles bénéficient à travers le projet PROISE de ressources nécessaires afin de réaliser des activités génératrices de revenus. Un projet financé par le gouvernement japonais à hauteur de 1,3 milliard de francs CFA. Les régions du Bafing, du Tonkwi, du Guémon et du Kavali, identifiées comme les zones sévèrement touchées par les crises sociopolitiques, sont les bénéficiaires de ce projet. Tout le mal que je souhaite, c'est que vous puissiez capter cette opportunité, vous puissiez saisir cette chance pour que le projet PROISE soit une réussite pour nos populations vulnérables qui n'ont que trop souffert. Quand il y a des pays amis qui veulent nous aider, ne les décevons pas. Sont concernées les personnes désœuvrées, les handicapés, les veuves et les personnes rendues vulnérables du fait de la crise. Et pour la mise en œuvre de ce projet, l'aspect technique est confié à l'Organisation internationale, IRC. Ce projet, dont la durée est de 3 ans, devrait permettre à terme de réduire le taux de pauvreté dans ces zones et permettre également aux populations de s'impliquer véritablement dans le processus de paix et de réconciliation en cours en Côte d'Ivoire. Merci.